château de Clémence Madeleine Perdrix. Et c'est bien? Ah, c'est la vie de château. On l'a lu en classe, il est super, on passe par toutes les émotions. À un moment, j'ai failli pleurer, mais il y a eu aussi des moments drôles. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Violette. Elle a 10 ans, elle est en CM1 comme nous. Elle est orpheline. Elle a 10 ans, elle n'a plus ses parents, comment ça se fait? Ils sont morts dans un attentat à Paris en 2015. Ah, elle a l'air triste cette histoire. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Geneviève a trouvé le testament de ses parents qui disait que s'il y aurait arrivé quelque chose, elle allait vivre chez son oncle. Mais c'est qui Geneviève? C'est l'assistante sociale. C'est elle qui s'occupe de Violette depuis la mort de ses parents. Ah, d'accord. Et Violette, elle s'entend bien avec son oncle? En fait, elle ne connaît pas. C'est un inconnu pour elle. Ils ne se sont plus revus depuis 7 ans. Alors, il habite où, Régis? Il habite au château de Versailles. Au château? La classe. Ouais, enfin, il est agent d'entretien. Il s'occupe du ménage. Ah! Régis, il pue. Il est gros, sale, moche. Et sa maison, c'est encore pire. Il y a des toiles d'araignée partout, des trous dans les murs et une petite souris. Oh, la pauvre! Justement, elle passe son temps à fuguer. Elle va où? Dans son ancien appartement. Elle passe son temps devant la porte à se souvenir des moments passés avec ses parents. Elle souhaiterait aussi récupérer des affaires et elle n'a pas les clés, donc elle ne peut pas rentrer. Donc, elle reste sur le paillasson. Et comment a réagi Régis? Un jour, il en a eu marre et l'a suivi. En même temps, la maîtresse le convoquait tout le temps. Et Geneviève aussi. Régis doit à chaque fois partir de son travail plus tôt pour aller chercher Violette, ce qui énerve Monsieur Ange, son patron. Elle a un caractère bien trempé, Violette. Elle est triste, il faudrait se mettre un peu à sa place. Elle aurait préféré aller vivre chez ses grands-parents. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Régis et Violette vont faire un pacte. Si Violette ne fugue plus, elle pourra aller vivre chez ses grands-parents à partir des vacances de Noël. Est-ce que leur relation va s'améliorer? Régis veut faire plaisir à Violette et va lui acheter un pull. Ah, c'est gentil! Ouais, enfin, c'est un pull jaune poussin. Ah, Pikachu! C'est beaucoup trop grand pour elle. Et en plus, tout le monde se moque d'elle à l'école. Sauf Malcolm, son meilleur ami, qui est là pour la défendre. Violette ne doit pas être très contente. C'est clair, à sa place, je partirai. Non, justement, elle va vite se débarrasser de ce pull. Est-ce que la relation va s'améliorer entre Régis et Violette? Et juste, Violette, elle ira vivre chez ses grands-parents ou chez son oncle? Si vous voulez!